Yo les gens, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va vraiment très bien, j'espère que vous avez la forme les gars, parce que moi franchement je l'ai de mon côté. J'espère que vous de votre côté tout va bien, les cours, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui les gars on se retrouve sur un gameplay, sur la map Vertigo, donc une map du nouveau DLC. Donc Uprising qui est sorti le 16 mai sur PS3, donc hier jeudi. Et donc voilà, en rentrant des cours, je me suis téléchargé. Et franchement, c'est un map pack qui est vraiment pas mal. Moi, franchement, j'apprécie. Même si au niveau des maps, j'ai été un petit peu déçu parce que la structure de la map, elle ne change pas. C'est-à-dire, vous avez un grand passage au centre de la map, deux passages sur les côtés. Et voilà, la map est finie. C'est un petit peu la structure au niveau des maps que Black Ops 2 utilise. Et à ce niveau-là, c'est vrai que je suis un petit peu déçu. Les maps se ressemblent toutes en fait. Vous remarquerez bien, c'est toujours pareil, un passage au centre, comme je vous ai dit, et deux passages sur les côtés. Enfin bref, sinon franchement dans l'ensemble ça reste un bon map pack. Je viens de tester le zombie là juste à l'instant. Et franchement avec un ami, franchement on a bien kiffé, on a bien déliré. Le zombie et la map est super grande. Si vous voulez elle est super grande, il y a vraiment plein d'interactions à faire. Et franchement elle est vraiment sympa, mais ouais franchement vraiment sympa. Il y a moyen de faire beaucoup de manches. Là on était vraiment pas chaud, on essayait de découvrir la map, on a fait manche 17. Alors je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un bon truc sur ce zombie. Enfin bref, aujourd'hui les gars on se retrouve sur un petit gameplay. Donc comme je vous l'ai dit, match à mort par équipe sur la map Vertigo. Donc dans ce gameplay je voulais vous en profiter déjà pour vous présenter un petit peu le map pack. Alors, le seul défaut par contre qu'il a, bah, c'est parce que voilà, la communauté, si vous voulez, c'est un nouveau pack, quelque chose de nouveau pour la communauté. Donc la communauté, il faut le temps qu'elle s'habitue, et c'est vrai que pour le moment ça campe beaucoup. Donc je vous ai pas proposé un gameplay, un gros gameplay, tout simplement. Je vous ai proposé un gameplay potable où vous allez voir que je vais vraiment bien bouger, je vais être actif, mobile durant cette partie. Et donc c'est un gameplay où vous allez pouvoir vous faire une opinion sur la map Vertigo pour ceux qui n'ont pas encore le pack. Donc voilà. Alors au niveau des projets, j'en profite rapidement pour faire un bilan au niveau de ça. Parce que voilà, en fait j'ai eu pas mal de messages d'abonnés pour savoir où j'en étais tout ça. Donc j'en profite pour vous faire le bilan dans cette vidéo. Alors j'ai arrêté pas mal de séries, notamment les anges de Call of Duty. Enfin en fait je n'ai pas vraiment arrêté, j'ai pris un petit break. Pourquoi? Parce que déjà faut savoir que j'ai eu un très bon retour sur cette série. J'ai eu 800 vues je crois sur le premier épisode. Franchement c'est énorme, je suis vraiment très content. Et c'est vrai que bah, au début, premier épisode, j'ai reçu pas mal de clips. Au deuxième, un peu moins. Et au troisième, j'en ai quasiment pas reçu. J'ai dû en recevoir une dizaine. Mais c'est des clips qui se répètent souvent, c'est-à-dire des feeds au sniper, des triple feeds, des enchaînements. C'est joli, d'accord, je vous ai gardé les clips pour au cas où je faisais un top sniper. Mais moi, dans mon aspect, les anges de Call of Duty, je voulais vraiment des clips spéciaux. Des clips un peu fun, un peu what the fuck si vous voulez. Je voulais pas des clips qu'on pouvait retrouver dans des tops basiques de grands youtubeurs, tout ça. Je voulais un petit peu mettre ma sauce avec mes clips que je sélectionnerais avec en fonction du thème, donc les anges de Call of, tout ça. Et donc bah j'ai pas choisi de clip simplement et j'ai plus fait d'épisode, donc je m'étais arrêté à l'épisode 3. D'ailleurs pour ceux qui ne sont pas qui m'ont rejoint entre temps sur ma chaîne, bah je vous invite à aller revoir ces épisodes parce que franchement on a bien déliré. Quand je dis on, c'est franchement moi, le monter, puis les abonnés, j'ai eu un bon retour en général. Donc je vous invite à le regarder sur ma chaîne. Donc voilà au niveau des projets. Donc je compte reprendre. Par contre voilà, si vous voulez que je reprenne, je sais que ça fait plaisir à certains abonnés, moi il n'y a aucun problème. Mais par contre voilà, il va falloir que vous soyez un minimum actif, c'est à dire que en fait je vais vous mettre des liens dans la description pour pouvoir m'envoyer vos clips. Même si vous n'avez pas de boîtier d'acquisition, c'est pas grave, on s'ajoute sur le PSN. Vous faites votre clip de votre côté avec votre mode studio et j'irai le chercher avec mon boîtier d'acquisition, j'irai le capturer moi même Voilà, donc sur ce niveau là il n'y a pas de problème. Donc sinon je voulais en parler rapidement avec vous. Donc comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, d'ailleurs il y a une petite miniature qui va s'afficher maintenant. Vous aurez juste à cliquer dessus pour être rédigé à la vidéo. Donc c'est une vidéo où en gros je présentais mon roster rapidement. Et bah voilà, dans cette présentation on n'avait pas encore trouvé de nom pour notre roster. Et là en fait on a choisi un nom, donc ça va être la N minuscule, V majuscule, R minuscule. Donc quand vous voyez ces trois lettres là dans une partie, c'est sûrement un de nos membres. Donc voilà, comme je vous ai dit dans l'ordre, donc minuscule, majuscule, minuscule, ça fait ça, ces trois lettres. Donc voilà, NVR, je répète. Et puis donc voilà. Donc on compte monter la chaîne bah, au plus rapidement possible. Donc ce sera une chaîne où on fera des lives en fait, on rediffusera des parties, des ODC, tout ça. Et donc ça peut être sympa. Donc j'en profite aussi en parlant d'ODC parce que bah, comme pour ceux qui me suivent vraiment, qui sont vraiment actifs sur ma chaîne, j'avais mis une petite vidéo, donc une vidéo courte, une annonce où je disais que j'organisais un tournoi 4v4 Deserto. Donc en fait dans ce tournoi là les gens, j'ai eu un bon retour.
Mais les gens en fait ont pas compris, ils m'ont donné directement, ils ont dit qu'ils participaient. Sauf que ce que je demandais, c'était pas ça, c'était si on participait, de me laisser le Skype pour que je puisse vous contacter et votre PSN pour que votre adversaire puisse vous ajouter. Enfin bref, je referai une vidéo là-dessus où j'expliquerai bien, où je referai un recap en gros, où je prendrai bah, tous les participants et je les remettrai avec. Enfin bref, je m'organiserai sur ma chaîne à suivre. Voilà. Je pense qu'elle sera disponible dans une ou deux semaines. Donc aussi, je tenais à m'excuser pour ma voix. C'est vrai qu'elle va pas être très agréable. Il faut savoir que bah voilà, je suis malade. Là-bas, cette vidéo, je devais vous la faire en FaceCom, mais j'ai pas pu. Pourquoi? Bah parce que je suis malade. Et voilà, quand on est malade, enfin moi, voilà, je suis bien, bien malade, je suis bien pris. Donc bah j'ai pas préféré la faire en FaceCom. Je reviens rapidement. Donc là, on arrive à la fin du gameplay quasiment. C'est un gameplay bon qui s'est pas on va dire un gameplay basique quoi. Il avait rien d'extraordinaire, mais comme je vous ai dit, c'est un gameplay où j'étais vraiment mobile et donc je vous ai montré, enfin j'espère, Vertigo, donc la map que je vous l'ai fait découvrir. Donc voilà, bah écoutez, on arrive quasiment à la fin du gameplay, donc laissez un petit like si vous avez aimé cette vidéo, un petit commentaire, ça me fera super plaisir, surtout que j'aime bien répondre aux commentaires de mes abonnés. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!